Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag qui s'appelle le No Cut Tag. C'est un tag en fait où on doit absolument pas faire de montage, pas faire de cutage. Et je suis un petit peu... Voilà, là j'aurais coupé, c'est super. Je suis un petit peu la pro du... Enfin... Non, je suis pas la pro... Ah là là ! Je suis un petit peu le genre de fille qui utilise tout le temps le montage, tout le temps le cutage pour que ce soit dynamique, etc. Et là, le but, c'est justement de pas couper, de pas faire de montage, sauf pour l'intro et l'outro. Voilà, donc il y a une série de questions qui sont sur mon téléphone auxquelles je dois répondre. J'espère que je vais pas être embêtée par la poste, un appel ou je ne sais quoi, parce que sinon la vidéo risque de durer 30 minutes. Avant de commencer les questions, je voulais vous dire, donc voilà mon gris, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Je suis très contente, mais je pense qu'à la caméra, elle sort pas très bien, mais... Voilà, je suis très très contente, je sais pas vous, mais voilà. Ma veste, si vous voulez savoir d'où elle vient, je vous mets le lien de ma page Facebook. J'ai ouvert une page Facebook tout récemment et je vous invite du coup à aller la voir. Il y aura mes stories Snap pour ceux qui n'ont pas Snapchat. Il y aura des looks que je mettrai pas sur Instagram. Il y aura aussi des sélections shopping, des wishlists, voilà, plein de choses comme ça. Donc je vous invite à me rejoindre sur Facebook. Et si vous avez envie de savoir d'où ça, ça vient... ben voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook, je mettrai tous les liens etc à chaque fois, et en plus il y a des codes promo, donc ça c'est cool. Voilà, j'ai pas trop bugué, c'est assez étonnant. Je commence avec les questions du tag, c'est parti. Du coup, question numéro 1, ton logiciel de montage. Ah, faut que je respire un petit peu parce que... Donc, mon logiciel de montage c'est Adobe Premiere Pro CC. J'ai utilisé Final Cut Pro, mais j'aimais pas trop, et Adobe c'est vraiment ce que je préfère. Premiere Pro, voilà, j'ai la dernière Adobe Premiere Pro CC. Je pense me contenter de répondre aux questions de façon très brève, parce que sinon c'est n'importe quoi. Numéro 2, comment tu t'appelles? Alors je m'appelle Laetitia et pas Titia, ni Tricia, ni voilà. Petite référence à ma Nicole si tu me regardes qui m'appelle tout le temps Tricia, c'est trop marrant. Je m'appelle Laetitia et ça s'écrit L-A-E-T-I-T-I-A. Titia c'est mon surnom depuis toujours, et pourquoi j'ai pas écrit T-I-T-I-A? Tout simplement parce que sinon les gens allaient... Tout simplement parce que sinon les gens allaient m'appeler Titia et c'est pas le but. Donc voilà pourquoi j'ai mis T-Y-C-I-A. C'est assez clair. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans, enfin j'ai eu 21 ans le 2 octobre et je suis très triste. Ton youtubeur préféré? Alors ils sont deux et c'est la chaîne The Lineup. Elles sont hyper inspirantes pour les lookbooks, pour la colorimétrie, pour leur mise en scène, voilà, je les adore, elles sont top. Question numéro 5, dans quelle région habites-tu? Alors j'habite dans le Nord Pas-de-Calais ou dans le Hauts-de-France, à Lille très précisément, et voilà, j'adore ma région. Même s'il fait froid. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? J'ai pas trop réfléchi à ça, mais j'aimerais bien, ce serait pas mal, un pouvoir où genre le matin tu te réveilles, tu fais ça, et soit tu... Non. Attendez, je réfléchis. D'avancer ou de reculer dans le temps, j'aimerais bien. Voilà. Une petite voiture qui m'avance ou me recule dans le temps, ça peut être pas mal. Tes origines, donc je suis française et réunionnaise, voilà. D'où le métissage que vous ne voyez très rarement pas en vidéo. D'ailleurs, vous trouvez que je suis assez blanche en vidéo et en vrai assez foncée. Voilà, passionnant, on adore. J'aurais pas dit ça, j'aurais coupé. Bref, c'est pas grave. Ton jeu vidéo préféré? Je sais pas si c'est un jeu vidéo, mais j'adore les Sims. J'adore. Je n'y joue plus depuis un petit moment, mais je pense que si j'avais la possibilité de rejouer, j'y resterais 5-6 heures d'affilée, voire plus, parce que j'y ai rejoué quand j'avais peut-être 15-16 ans, même un peu plus. Et... je m'arrêtais plus, j'adore les Sims, c'est ma vie. As-tu un animal de compagnie? Chez moi, à Lille, non, mais sinon chez mes parents, j'ai mon chien qui s'appelle Ula, que j'aime trop, qui est dans mon cœur, et voilà. Ton acteur préféré? C'est Morgan Freeman, je trouve cet homme absolument hyper charismatique, pas forcément beau, mais charismatique, et j'aime les rôles dans lesquels il joue, voilà, je dirais lui. Ta série préférée? Alors... Pour ceux qui le savent ou pas, je regarde très très rarement des séries, c'est un petit peu le... Voilà, tout le monde dit tu reviens quand en ce moment, et je regarde pas trop. Sauf que à la télé, je regardais quand même pas mal Drop Dead Diva, je sais pas si vous connaissez, mais moi j'adorais cette meuf, elle me faisait trop rire. Donc voilà, je regardais ça, et sinon en ce moment, j'ai quand même commencé des épisodes de Black Mirror, je sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, si vous connaissez, dites-moi les épisodes à absolument regarder, parce que j'en ai regardé 2-3 seulement.
Et il y en a qui sont moins bien que les autres, mais j'adore cette série et c'est pratique parce que c'est pas un truc qui se suit, c'est des épisodes à chaque fois qui racontent une histoire différente, du coup c'est cool parce que du coup j'ai pas besoin de toujours regarder et d'être ponctuelle. Ton film préféré? Mince, j'ai pas réfléchi. J'adore Limitless, j'adore... Ah là là, le film là qui fait de la... où il parle de magie, enfin avec la magie. D'ailleurs, Morgan Freeman joue dedans. Insaisissable, je crois. J'ai autant aimé le 1 que le 2. Voilà, c'est les films que j'aime bien en ce moment. Et j'aime bien sinon les films qui parlent un petit peu de la vie, de la société. Voilà. Je vais me taire. C'est n'importe quoi. Quelqu'un m'appelle. Allô? Oui, bonjour, c'est Léa, ça va? Oui, ça va et toi? Je peux te la faire là juste après, mais je suis en train de filmer une vidéo là. Mais je te la fais juste après. Genre dans 20 minutes. Voilà, c'est ça, ok, ouais, en fait je l'avais faite, mais j'aimais pas parce que j'avais une sale tête. Mais je vais la faire. Ok, c'est bon. Ouais, je te l'envoie là juste après. De rien, bisous, salut, merci. Ok, je ne pourrais pas couper ça. D'accord, ok. Fallait que ça arrive, bref, c'est pas grave. Ta pire honte, hormis celle qui vient d'arriver, que j'ai autour de répondre, voilà, non. Mais tais-toi, mais des fois je me dis, mais ferme ta gueule, mais ta pire honte. J'ai pas réfléchi. Un jour, je me suis cassé la cheville en imitant une fille. Qui faisait trop sa belle pour moi, mon goût. Et voilà, bah en fait, en l'imitant, je me suis cassé la cheville et voilà. J'aurais pas dû me foutre de sa gueule. Ça m'apprendra. Ta saison préférée, le printemps. Avant, c'était l'automne, mais vu qu'en ce moment, il caille pas mal et que ça me saoule, je dirais le printemps. Ou alors l'automne, mais quand t'es à Cannes ou Energy Music Award comme la dernière fois. Voilà. Non mais le printemps, c'est cool parce qu'il commence à y avoir le soleil, mais il fait pas trop chaud et voilà, j'aime bien. Le youtubeur que tu détestes? Je n'ai pas réfléchi à cette question non plus. Que je déteste... Il y en a pas que je déteste, mais il y en a, c'est physique en fait, je peux pas les regarder, mais je sais plus qui... Bon, ça va pas durer 3 heures. Du coup, je sais plus. Crotte de bique. Bon, je sais plus. Désolée, je sais plus. On a le droit d'être joker, apparemment. Ton meilleur ami? Oh, j'ai trop de meilleurs amis, moi. Manon, Fleurine, Mélodie, Catel, Oriane, qui est une très bonne amie désormais dans ma vie, tu vois. Boum, boum. J'ai trop de meilleurs amis. Après, je dis, ah, mais c'est peut-être aussi des garçons, je sais pas. Fabien, Thibaut, si vous passez par là, Ben, voilà, JB aussi, voilà, c'est des potes que j'aime beaucoup, voilà. Si j'ai oublié quelqu'un, il y a deux Ben d'ailleurs, si j'ai oublié quelqu'un, I'm so sorry, je vous aime très fort tous, vous êtes dans mon cœur. Si j'ai oublié quelqu'un, je vais me faire détruire. Enfin bref, là j'ai l'impression que j'ai listé tous mes amis, mais voilà, je les aime tous très fort et je peux pas choisir. La marque de ton téléphone, c'est un iPhone 6S Rose Gold. Voilà. La marque, oui je peux faire ça parce qu'en fait ma coque est cassée. La personne que tu détestes, le nom. Mais pourquoi on détesterait des gens comme ça? Qui j'aime pas? Donald Trump, voilà. Je t'aime pas. Grosse gamine, tais-toi. Le nom de ton premier animal de compagnie. C'était un chat qui était blanc et qui s'appelait Blanche. Voilà, c'est original. Ta date de naissance. Je suis née le 2 octobre 1995. Team Balance en force. Là aussi, en force. Voilà. Et puis, bah, c'est terminé. J'ai réussi. Oh my god. À part la petite interruption téléphonique, je trouve que ça a été. Je crois que j'ai pas trop parlé, que j'ai pas trop dit de conneries. J'espère. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, du coup, je compte sur vos likes sur ma page, oui, sur Twitter, sur Snapchat, je crois que c'est tout. Si vous avez des suggestions de vidéos, dites-les moi aussi dans les commentaires, parce que j'aime bien un petit peu renouveler, j'aime bien voilà, essayer de changer un petit peu. Je vous retrouve samedi pour une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Bye! Attendez, maintenant il faut que je coupe.
Oh là là.